créé en 1953 grâce à l'implication de M. Triboulet, alors président du comité du débarquement, le musée d'art Romanche est situé face à la mer, à quelques centaines de mètres des vestiges du port artificiel. Comprenant quatre parties, la visite commence par une particularité du musée, la galerie des grandes maquettes animées, construite après-guerre par les ingénieurs qui avaient conçu Port Winston. Les explications du guide permettent aux visiteurs de comprendre le défi technique réalisé en 1944. En France, le maréchal Pétain signait l'armistice le 22 juin 1940. Mesdames et messieurs, les forces de l'Axe seront longtemps victorieuses. Un an après l'armistice, le 22 juin 1941, l'Union soviétique était envahie. Ces pertes étaient immenses. Les Alliés ont multiplié les rencontres pour venir à bout des forces de l'Axe. À la mi-janvier 1943, à Casablanca, Winston Churchill, le président Roosevelt, c'est leur chef d'état-major, tenait conférence. Les soldats et les véhicules ont de dégager l'intérieur de Churchill. Ce qui, à coup sûr, vous le comprenez, les détruirait, comme c'est illustré ici. Troisièmement, un moyen de défense passive. Hein. De nuit, 30 navires spécialement équipés produisaient le brouillard artificiel. Un écran de fumée ressemblant à du brouillard cachait l'éclairage nocturne d'un port de grande dimension. Sinon, il aurait produit l'effet d'une ville éclairée de nuit. Et les Allemands versaient la Manche. Il était escorté par trois navires. La vedette Ravi prenait forcément la tête du convoi. Elle aurait pu atteindre 80 km à l'heure sur l'eau. Au centre, nous avons la vedette Lance-Torpille. Au fond, pour fermer la marche, un chasseur de sous-marins et ses grenades anti-sous-marines sur le sol. La marine et l'aviation alliée est absolument immense aujourd'hui, vous savez. Impossible pour les Allemands s'y opposer avec la capacité. La seconde partie, une remarquable collection d'objets et de documents d'époque sont présentés et permettent de comprendre cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de la troisième partie de la visite, à l'aide d'un diorama, a pour objectif de situer Arromanches et son port artificiel dans l'ensemble du débarquement et de la bataille de Normandie. Images, sons, lumière, bruitage. Le visiteur, placé dans l'obscurité, revit l'aube du 6 juin 1944 depuis le cockpit d'un avion allié. Il découvre la côte normande et la prise d'assaut des plages. Thank you.
la projection en exclusivité d'un film d'archives de l'amirauté britannique relatant la conception, le transport, la construction et le fonctionnement de ce port artificiel, gigantesque puzzle, qui fut la clé de la victoire en Normandie. Le petit port d'Arromanche vit aujourd'hui encore avec ses vestiges que la mer n'a pas complètement détruits. Ces énormes blocs de béton, constituant un brise-lame, sont avec le musée un témoignage vivant afin que les jeunes générations qui viennent d'ici n'oublient jamais le sacrifice des soldats qui donnèrent leur vie pour nous rendre la liberté.